À peine un demi-mot pour remercier François Fontani. Nous accueillir, il m'a dit qu'il faut pas, de nous accueillir à la maison avec Claudine. Christine Marcandier et l'équipe de diatéchnique qui va filmer la soirée, ce qui montre que tous les sites s'entendent bien, pas tous, mais un certain nombre. Enfin, je veux surtout remercier Claire Maillot qui va conduire et mener cette soirée. Claire Maillot qui est productrice adjointe de la grande table à France Culture. Je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire parce que je connais mal les mots. J'ai compris qu'en fait, elle est rédactrice en chef de la grande table, c'est-à-dire que nous allons avoir la chance d'entendre sa voix, alors qu'elle est généralement silencieuse à cette grande table. Et nous nous sommes rencontrés lorsque Claire Maillot m'a demandé d'enregistrer avec elle, et là on peut l'entendre, en podcast aujourd'hui encore, à voix nue, où j'ai pu chanter, danser, faire un tas de choses grâce à elle. Merci à Claire Maillot de nous inviter à cette soirée. C'est à moi de vous remercier, Maurice Hollander. Pour ce facétieux retournement de situation, vous l'avez dit il y a quelques mois maintenant, je vous invitais à revenir sur votre parcours intellectuel, à vous interroger sur votre activité d'éditeur. Et donc, quand vous m'avez proposé d'organiser les échanges de ce soir autour de ce sujet, la liberté de la presse, c'était difficile de refuser puisque c'était d'une certaine manière une invitation à une réflexion critique, à une même réflexivité critique, mais c'était une invitation à converser ou en tout cas à échanger aux côtés d'Élu Pennel, figure incontournable du journalisme, et donc l'exercice était délicat. Et donc ça m'invite à me poser cette question de circonstance, d'où parles-tu camarade ? Comme le 22 mars. Alors je parle d'un espace médiatique assez éloigné dans l'imaginaire collectif de celui de Mediapart, France Culture. Imaginez un média traditionnel qui ne fait pas intervenir l'auditeur, qui assume l'autorité des sachants, chercheurs et intellectuels, qui fait entendre la sensibilité des créateurs pour penser la complexité du monde social. Une de ses missions, organiser le débat d'idées, respecter le pluralisme des opinions sans négliger le réel. Le réel, voilà donc notre éthique commune, celle de l'attachement à la vérité, admirablement portée dès 1964 par Hannah Arendt dans un texte qui est cher, je crois, à Evie Plenel, Vérité et politique. Elle disait « Les vérités de fait sont les faits sont les vérités politiquement les plus importantes, tant la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. » Évidence peut-être à rappeler ce soir en cette période de confusion entre faits, vérités, vérités alternatives, rumeurs et opinions. Autre écueil, ce soir, la référence à mai 68. Nous sommes le 22 mars, ça ne vous aura pas échappé, et je ne peux pas croire à une coïncidence dans l'organisation de cette soirée, mai 68. Ce spectre, ce fantôme, ce phénix, cet événement sphinx, selon les mots d'Edgar Morin, charriant espoir, fantasme, imaginaire émancipateur, ne cessant de raviver les querelles entre liquidateurs et fiers héritiers. Et là encore, je crois qu'il faut en revenir aux faits, au travail des historiens, se défaire des croyances, des poncifs, pour mieux en saisir l'essence et évaluer sa portée politique au présent. Alors 68, 2008, 2018, mai 68 et Mediapart. Il y a une filiation, elle est intuitive, et pour la penser, je mobiliserai trois textes contemporains de ce qu'on appelait les événements. D'abord, et avant tout, celui qui nourrira nos échanges en partie ce soir, « La presse, le pouvoir et l'argent » de Jean Schwebel. Ce texte paru au printemps 1968, qui vous accompagne depuis longtemps, Evie Plenel, et que Maurice Hollander accueille aujourd'hui dans sa collection « La librairie du XXIe siècle ». En le souffle, l'audace, le non-conformisme de mai 68 traverse cette réflexion pionnière sur l'indépendance de la presse. Préfaçant l'ouvrage, le philosophe Paul
chroniqueur résumait bien l'enjeu de ce livre. Je le cite. « Le problème, c'est celui-ci. L'information aujourd'hui a acquis la fonction d'un service d'intérêt public, mais elle n'a pas reçu le statut juridique qui correspond à cette fonction. Les propositions des sociétés de rédacteurs, qu'on lira dans cet ouvrage, sont interprétées comme une étape dans une entreprise plus vaste, celle de donner à l'information les institutions qui correspondent à son rôle. » Et l'en souligner l'enjeu démocratique face au risque que la direction des affaires soit accaparée par des oligarchies de compétents, lesquelles seraient notamment associées aux puissances d'argent. Le sursaut de mai 68 n'aura pas suffi à conjurer ce sombre avertissement, et l'îlot de résistance que constitue Mediapart, nourri par ses espoirs déçus, constitue à ce titre une étape, une brèche dans l'écosystème médiatique. Second texte, vous l'aurez peut-être compris, c'est La Brèche, ce texte collectif rédigé à chaud quelques semaines après les événements par Edgar Morin, Corvinus Castoriadis, signant Jean-Marc Coudray et Claude Lefort. Alors, on peut s'interroger sur l'exception que constitue encore Mediapart, malgré l'ambition affichée dès les débuts, de transformer, de révolutionner l'écosystème de l'information. Mediapart s'est pensé comme un laboratoire de recherche, un prototype, un espace d'expérimentation, mais sa réussite n'aura pour l'heure pas entraîné l'émergence de structures similaires. Et plus encore, c'est la pérennité de son modèle qui occupe aujourd'hui les fondateurs à l'heure de la transmission du projet à la jeune génération. Enfin, je reviendrai 10 ans en arrière, en 2008, à la naissance de Mediapart, dans un contexte de refondation démocratique promise par le web. Le web se pensait alors comme une grande agora permettant d'élargir le cercle des prises de parole. Et là, c'est Michel de Certeau qui surgit à travers cette prise de parole, cette référence à son article dévoilé en 1969. Horizontalité, délibération, transparence, autonomie, partage, échange, cette promesse démocratique du web est sinon inachevée, aujourd'hui largement entamée. Mais je crois que Mediapart échappe à cette désillusion parce que l'architecture du site a su allier la tradition à la modernité. Vous l'écrivez, Edwy Plenel, dans cette quête inédite du participatif, vous avez une boussole, à savoir que le public n'est pas la foule, le public est informé, la foule est aveugle. Il fallait organiser cette prise de parole, c'est l'espace offert par le club Mediapart grâce à ses blogs d'abonnés. Chacun pouvant exprimer son opinion, débattre des articles publiés dans le journal, payant un journal donc. Et c'est en maintenant une certaine verticalité, en réaffirmant la spécificité du travail journalistique, les exigences professionnelles d'une information collectivement travaillée, regroupée, vérifié, élaboré, que vous avez défendu, la valeur de l'information, titre de l'ouvrage qui nous réunit aussi ce soir. Ce soir se succéderont donc plusieurs prises de parole. Je vous présente nos intervenants. D'abord, Stéphanie Chevrier. Bonsoir. Bonsoir. Directrice éditoriale et fondatrice des éditions Don Quichotte, qui ont, je crois, qui nourrissent un long compagnonnage avec Mediapart, on reviendra peut-être sur vos fonctions futures plus tard. Karine Fouteau, bonsoir. Vous êtes depuis le 5 mars la nouvelle directrice éditoriale de Mediapart avec Stéphane Agnès, direction paritaire pour succéder à François Bonnet. Je crois que vous avez rejoint Mediapart dès sa création et que vous vous occupez plus particulièrement des questions migratoires. Jusqu'ici. Et du Plenel, faut-il le présenter ? Fou journaliste. Directeur et cofondateur du site Mediapart, Maurice Hollander. Historien, directeur de la collection La librairie du XXIe siècle au Seuil, soutient la première heure, et aussi membre, j'imagine, de la Société des Amis de Mediapart. Et enfin, André Burguière, directeur d'études à l'EHESS, et me précisait-il plutôt ancien chroniqueur, nouvel observateur, oui. Donc un observateur avisé. Blogueur de Mediapart. Meilleure référence. Et donc, notre premier intervenant, puisque je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'avoue que dans le,
l'alignement des planètes favorable à Louis Plenel, je n'avais pas pensé à mai 68 aujourd'hui, mais à deux phénomènes. D'abord, le succès, le bilan économique, journalistique, extrêmement favorable de Mediapart au bout de 10 ans, alors que des grands connaisseurs de la vie sociale et économique comme Alain Minc pensaient qu'il ne passerait pas l'hiver quand il a été créé. Et aussi, deuxième phénomène, l'affaire libyenne, qui est relancée aujourd'hui, l'affaire libyenne de Sarkozy, relancée aujourd'hui par la justice, et qui avait été lancée et portée au début uniquement et dans une grande solitude par Mediapart face au silence et au scepticisme du reste de la presse. Donc, je dirais, double succès pour Louis Plenel pour cet anniversaire. Je l'ai soutenu dès le début de Mediapart. J'étais très content, mais j'avoue que j'étais moins sûr, sans doute moins sûr que lui, du succès assuré. C'était une entreprise qui était extrêmement risquée au début. Son audace a été récompensée. Je dirais que son succès est un tour de force économique. D'abord, ça a été reconnu par tout le monde, en France et surtout à l'étranger. Au moment où la presse française est hyper subventionnée par l'État et n'arrive pas à surnager et constamment perd de vitesse, cet organe de presse, sans aucune subvention, a su s'imposer et trouver même son équilibre financier. Donc, démentir cet impérialisme de ce que Schwebel, après, dans ce livre que Louis Plenel vient de préfacer la nouvelle édition, appelé après Beuve Mairie la presse d'industrie, c'est-à-dire cette presse qui est l'essentiel de la presse française maintenant, qui ramasse les journaux non pour leur donner plus de ventes, mais pour se donner plus de pouvoir, et qui les enterre souvent en les intégrant. Mais donc, Mediapart reste lui totalement indépendant de ce financement public. Cet aspect remarquable, je vous dis encore une fois, qui fait l'étonnement beaucoup plus des spécialistes d'outre-Atlantique qui viennent demander les recettes à Louis Plenel sur quelque chose qui effectivement peine à se passer même aux États-Unis. J'aimerais surtout, pour ma part, insister sur le tour de force journalistique. C'est Mediapart et Louis Plenel, à travers Mediapart, a donné une nouvelle jeunesse à ce qu'on peut appeler le journalisme d'investigation. Il y a en France une tradition ancienne et surabondante du journalisme éditorial. Ceci, je pense que c'est peut-être lié d'ailleurs à l'héritage littéraire du XIXe siècle, aux premiers journaux très élitistes, ceux qui étaient publiés sous la Restauration ou sous la Monarchie de Juillet, et qui étaient rédigés par des écrivains, par des grands écrivains même. Lamartine, Chateaubriand, Hugo, Tocqueville, etc. C'est à travers eux que s'est d'ailleurs consolidée la figure très française de l'intellectuel, c'est-à-dire ce grand esprit capable de parler de tout et qui offre au fond le génie de sa pensée à une partie de l'opinion. Cette agitation, cette dure encore, sinon on pense avec étonnement à l'avalanche de tribunes que suscitent souvent des problèmes très factuels, comme, le fait de piétoniser les quais de Seine ou de faire circuler les autobus au milieu de la chaussée sur le boulevard Montparnasse. Cette tradition, je ne dis pas que c'est en soi un défaut, ce haut niveau rhétorique de la tradition journalistique française impressionne toujours les pays voisins. Parce que justement, ils manient toujours très facilement et à n'importe quel propos les idées générales. Alors, si j'ose dire, au-delà de cette tradition, je me permets par ma formation d'historien, de rattacher les fondateurs de l'école historique
à laquelle je me rallie moi-même, qui est l'école des annales, qui ne se percevait pas comme des intellectuels, justement, et qui reprochait un peu cette manie idéologique, justement, des historiens de l'époque, etc., qui se percevait comme des chercheurs, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire une histoire scientifique, le terme de scientifique était peut-être habillé, peut-être un peu large, mais ce qu'ils entendaient par là, c'était remplacer le discours idéologique par l'investigation. Marc Bloch, d'ailleurs, comparait le travail de l'historien à celui de l'enquêteur judiciaire. Il s'agissait de trouver les preuves, d'établir les faits, de donner des analyses convaincantes. Et il aurait très certainement pu comparer sa démarche à celle du journalisme d'investigation, tel que Edwy Plenel l'a réveillé aujourd'hui. Car entre nous, le journaliste n'est peut-être qu'un historien qui travaille vite et qui écrit bien. Autre point, me semble-t-il, où l'apport d'Edwy Plenel à travers Mediapart a été décisif, c'est le rapport entre le journalisme et l'engagement politique. Mediapart n'a jamais voulu être désengagé. Ils ont publié même des manifestes. Il y en a un qui est reproduit justement dans le recueil, le présent recueil, La valeur de l'information, qui était le manifeste de Mediapart. Mais il a voulu, comme organe de presse, n'être ni encarté, ni embrigadé. Et c'est cette indépendance qui a, il faut bien dire, toujours assez déplu au milieu politique. Les attaques, d'ailleurs, contre les journalistes sont rituelles du pouvoir en place. C'est une chose que j'ai remarqué, elles sont fréquentes. Effectivement, à droite, hein, quand il y a des difficultés, c'est la faute des journalistes qui passent leur temps qu'à critiquer, qui ne font voir l'opinion que l'aspect négatif des choses, mais ça a été aussi le cas à gauche. Je me souviens, c'est une chose qui m'avait frappé peu après l'arrivée au pouvoir de la gauche, ça devait être aux premières élections municipales, ça devait être en 83, je crois, où la gauche avait pris une veste assez remarquable. Et je me souviens, à l'époque, je discutais avec Jacques Lang, que je connaissais depuis qu'on était étudiant, et je l'ai vu, comme d'autres, attribuer ça aux journaux, à la presse, qui ne soutenait pas assez le gouvernement. C'est-à-dire, donc, ça, c'est c'est un trait, sans doute, qui fait partie des faiblesses, incontestablement, des mœurs politiques françaises. Or, Edwy Plenel, et avec lui Mediapart, se sont attaqués aux abus de la droite, par exemple Sarkozy, dont l'affaire surgit aujourd'hui, et aux abus de la gauche, pensons à l'affaire Cahuzac. Non par souci d'équilibre, mais je dirais tout simplement par souci de vérité. Le journaliste, comme selon l'expression de Victor Hugo, d'ailleurs que reprend lui quelque part, qui est à la recherche du fait. Voilà, qui est sa sensibilité, la sensibilité bien sûr de Mediapart serait plutôt à gauche. Il ne renvoie pas la gauche et la droite dos à dos, justement, mais elle exige un approfondissement de la démocratie. Et de ce point de vue-là, elle contribue à l'enrichissement et au débat à l'intérieur de la gauche. C'est un problème que j'avais évoqué dans mon livre sur la gauche va-t-elle disparaître. C'est que, en fait, si l'on prend les grandes valeurs politiques, la liberté est une valeur, on peut dire, partagée par la gauche et par la droite, sauf qu'elles ne donnent pas forcément la même définition. Mais l'égalité et sa traduction politique, c'est-à-dire la démocratie, en revanche, est une valeur, au contraire, de discrimination, est une valeur de gauche. Et je pense que Mediapart a contribué à l'approfondissement et
au renouvellement de la démocratie, de ce qu'on peut appeler la démocratie politique en France, c'est-à-dire à affaiblir, sinon ruiner, les foyers de corruption et d'influence occulte qui empêchent la libre discussion et la libre décision de l'opinion. En Italie, c'est un peu le parti des juges, c'est l'opération Manipulité qui a brisé la vieille emprise de la démocratie chrétienne associée plus ou moins avec la mafia sur la vie politique italienne, brisée au moins provisoirement. En France, je dirais que c'est l'énergie investigatrice de Mediapart qui a contestablement rendu de l'espoir et du pouvoir aux citoyens. Merci André Burger. Je vais donner la parole à Stéphanie Chevalier pour présenter peut-être la maison d'édition que vous avez créée. Je vais reprendre vos mots parce que je pense qu'il sied bien à la personnalité d'Edwin Vianney et au travail du collectif Mediapart. Vous dites que la maison est ouverte et accueille celles et ceux qui relèvent des défis ou qui marchent contre le désenchantement du monde, les curieux et les imprudents, les indociles et les audacieux, les non-conventionnels et les non-conformistes. Voilà, je pense que c'est une belle définition peut-être du projet Mediapart. Et puis peut-être souligner parce que cette maison d'édition que vous avez créée a un avenir peut-être incertain encore, mais en tout cas vous prolongerez peut-être le travail mené dans ces éditions Don Quichotte à la découverte, puisque vous avez été nommée présidente de cette maison d'édition tout aussi indocile et dont l'origine se trouve dans l'action d'un ami, je pense, d'Edu Plenel. Donc on peut trouver une photo, je crois, juste avant d'entrer dans cette salle, François Maspero. Et donc peut-être vous demandez le regard que vous portez sur le travail collectif et si ce travail d'engagement est aussi celui de la maison d'édition que vous avez créée. Bonsoir. Il faut quand même rendre à Edoui ce qui appartient à Edoui parce que vous avez donc cité les quelques phrases qu'on présente toujours sur nos catalogues. Et une partie de la citation a été, avec l'accord d'Edoui, reprise dans un de ses livres. Et je trouvais que les indociles, et voilà, ça allait. Oui, absolument. Dans le livre Dire non. Je trouvais que ça nous allait bien aussi à Don Quichotte. C'est vrai que j'ai eu la chance de connaître l'équipe de Mediapart à ses tout débuts, puisque Mediapart a été créé en 2008. Moi, j'ai créé la maison d'édition en 2009, un an après. Et c'est à ce moment-là que, enfin, au commencement, il y a un président de la République un peu agité, qui, chaque jour, annonce de nouvelles choses, promet de nouvelles choses, fait voter de nouvelles choses. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était tous un peu inquiets et devant cette hystérie, cette agitation, etc. Et moi, je réfléchissais déjà au projet à aller chercher pour ma maison d'édition, puisque parmi les tout premiers, je suis allée beaucoup, beaucoup solliciter des auteurs. Et je me suis dit, j'ai l'impression que cette fois, c'est très important de pouvoir observer et consigner ce qu'on appellera plus tard les faits et gestes de cette présidence Sarkozy. D'habitude, dans l'édition, on travaille avec un auteur, deux auteurs, un collectif. Mais cette fois, j'avais vraiment besoin d'une rédaction. Et parmi, même si la maison Don Quichotte n'a pas été indépendante financièrement, elle est autonome éditorialement complètement. Et donc, je cherchais une rédaction indépendante. Et c'est vrai que grâce à Sophie Dufault, donc, qui a rejoint Mediapart dès le début, grâce à Edoui et à François Bonnet, on a commencé à réfléchir ensemble à une déclinaison donc, du travail des journalistes au sein de la rédaction, en format papier, dans un livre qui paraîtra
un an plus tard, qui s'appelle donc « N'oubliez pas, fais des gestes de la présidente Sarkozy », et qui d'emblée s'est imposé comme un succès, puisque il y a eu une large audience médiatique. Hein, les premiers pas de Louis à la télévision, enfin, pas les premiers pas, mais en tout cas dans des émissions assez de perdition, comme vous pouvez le dire, et un grand succès de librairie. Voilà, donc l'aventure a commencé comme ça. C'est vrai que je partageais les valeurs de ce média, qui sont évidemment la liberté de la presse, mais chez nous on appellerait ça la liberté d'édition. Hein. Et d'année en année, on a, voilà, je dis, les éditions Richel sont le compagnon, les camarades, les compagnons de Mediapart, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble sur des ouvrages collectifs. On a aussi publié parfois l'histoire complète d'une enquête. Je pense à l'affaire Bettencourt, l'affaire Cahuzac. On a publié plus récemment l'histoire assez complète dirigée par Fabrice Arfi sur la loi renseignement. Et le dernier en date, c'est celui de Mathieu Magnodex, donc sur Emmanuel Macron. Et on a aussi régulièrement publié le livre, des livres d'auteurs, ceux d'Edoui, bien sûr, plusieurs, mais aussi ceux de Laurent Mauduit, de Karl Lasquet et d'autres encore. Donc c'est, en fait, c'est une collaboration depuis le début, régulière, et qu'en effet, je souhaite continuer à l'avenir, puisque, comme le disait Claire, je quitte les éditions Don Quichotte dans quelques jours, à la fin du mois, pour rejoindre La Découverte. On a déjà des figures communes, on a un crieur commun, vous connaissez la revue Le Crieur, qui est coéditée par Mediapart et La Découverte. On a la figure de Maspero, on a évidemment plein d'auteurs et plein de sujets communs encore à développer ensemble. Et oui, en effet, je souhaite que La Découverte soit le nouveau compagnon, le nouveau camarade, enfin qu'il était déjà en partie d'ailleurs, de Mediapart. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais donner la parole à Edu Canel, puisque c'est lui, d'une certaine manière, qui porte les deux textes dont nous parlons, dont nous allons parler ce soir. La valeur de l'information, vous signez donc aux éditions Don Quichotte, et puis La presse, le pouvoir et l'argent de Jean Schwebel, qui paraît initialement en 68, que Maurice Ohlander republie dans sa collection, La librairie du 21e siècle, grâce, je pense, à votre ténacité, puisque c'est un texte dont vous parlez depuis quelques années maintenant lors de réunions publiques. Et puis ce sont donc deux textes que 50 ans séparent, mais qui ont une véritable complicité et qu'il faut, je crois, mettre en regard. Alors peut-être que vous allez réconcilier, ou en tout cas, en historien, penser ou réactualiser la pensée de Jean Schwebel en 2018, 50 ans après. Merci, bonsoir à toutes et tous. Je écoutais tout le monde et j'étais un peu ému parce que, en fait, quand nous avons essayé d'inventer Mediapart pendant l'année 2007, avec la complicité de François Vitrani, je disais en autodérision, puisqu'on était en pleine guerre afghane, je disais c'est une de nos grottes afghanes. Je ne suis pas Osama Ben Laden, je vous rassure. Mais je disais ça parce que dans ce moment de sarkozisme triomphant, d'hostilité, d'indifférence, et puis au fond, on peut le dire, de certaines personnes qui se disaient « bon, cet Olibayus, on l'a sorti par la porte, il n'est pas question qu'il revienne par la fenêtre ». Donc, je parle évidemment de la crise du monde. C'est ici, dans ce lieu d'amitié, que nous nous sommes retrouvés, même que certains des premiers séminaires de l'équipe de Mediapart se sont tenus dans différentes salles de la Maison de l'Amérique latine. Ohlander était déjà un complice, un partenaire, puisqu'au fond on se voyait avec François et Maurice régulièrement ici. Je dis ça parce qu'il y a une sorte, en effet, d'alignement des planètes. L'anniversaire des 10 ans de Mediapart, voilà, tout ça s'ajuste, il se passe beaucoup de choses qui sont agréables.
vais expliquer tout à l'heure pourquoi je pense qu'il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers, mais voilà, j'ai un souvenir ému de comment cette histoire improbable, à laquelle en effet personne ne croyait, qui a commencé avec trois journalistes, puis celle qui a été, qui est toujours la directrice générale de Mediapart, et puis après toute l'équipe, donc Karine Fouteau, les 25 journalistes qui ont accepté de quitter les journaux où ils travaillaient. Karine était aux Échos à l'époque, pour se lancer dans cette aventure. Alors, l'autre clin d'œil de complicité, cela a été dit, c'est que c'est évidemment avec Stéphanie qui, dans cet alignement de planètes, se retrouve à la tête de La Découverte, édition qui en effet toujours ce logo sorti d'une gravure du 19e siècle qui avait été déniché par François Maspero et mis dans la collection Cahiers Libres et que j'avais ressorti pour le graphiste qui va dessiner le logo du crieur de Mediapart. Voilà, cette idée, comme le livre, hein, et François, c'était ça son idée, c'est qu'on est dans la cité, on est dans la rue, on crie les idées, on crie les nouvelles, c'est un peu une figure de Gavroche hein, qui est là. Et voilà, l'éditeur qui nous a accompagnés, même s'il y a la complicité avec Maurice et avec d'autres maisons pour des auteurs de la... des journalistes de Mediapart, nous avons fait près d'une vingtaine de livres, je crois, oui. Au total, avec Stéphanie et avec Don Quichotte. Et je disais toujours, Don Quichotte, ça nous va bien, au fond, comme figure. Alors, je dis ça parce qu'on est ici, avec ces réunions qu'organisent très souvent Maurice et François, autour des livres. Et j'avais un point important pour moi, c'était de, quand nous avons lancé Mediapart, c'était de symboliquement souligner que dans la bataille qui s'annonçait, inventer un journal totalement numérique, qui réussisse à marcher, à avoir la condition fondamentale de l'indépendance qui est d'être rentable, de bien dire que ce journal n'était pas l'ennemi de l'imprimé. Que nous avions une conviction sur le fait que la révolution numérique ébranlait profondément la presse quotidienne généraliste ainsi que la presse hebdomadaire généraliste, que quand on a une révolution technologique qui supprime trois coups, le papier, et c'est écologique, l'impression, et c'est notre industrie lourde, la distribution, et c'est notre poteau noir, elle a évidemment l'avenir devant elle, et qu'il fallait mener la bataille dans le numérique. Mais pour autant, ça ne voulait pas dire que nous ne ferions pas de l'écrit, bien sûr, nous en faisons, mais surtout, ça ne voulait pas dire que nous croyions que l'imprimé était mort, et notamment l'objet imprimé par excellence, qui est le livre, avec son mode de narration, son début, sa fin, voilà, son fil conducteur. Et c'est pour ça que symboliquement, on l'a oublié, on l'oublie souvent, Mediapart a été lancé le 16 mars 2008 depuis le Salon du Livre, à 13h depuis le Salon du Livre, en même temps, là où nous étions, dans ce qui est toujours nos locaux, nous mettions en ligne le journal, le site Mediapart, mais je préfère toujours dire le journal, mais nous l'avons fait depuis le Salon du Livre, d'où voilà, cette soirée symboliquement rencontre tout cela. Vous avez parlé de l'événement et du texte fondamental d'Edgar Morin, l'événement Sphinx, hein, c'est cet événement qui est dans ce numéro de communication, fait 4 ans après 68, et qui essaye de faire parler l'inédit, l'imprévu, l'inattendu. Pour moi, c'est un texte qui a beaucoup de résonance parce qu'il est au cœur de ce qui est, pour moi, le matériau du journalisme. Au fond, d'où l'image du crieur qui dit « Venez lire mon journal parce que vous y trouverez ce qui n'est pas ailleurs ». Le matériau du journalisme, pour moi, ce n'est pas la répétition de ce qui, de toute façon, est déjà là. Ce ne sont pas les trains qui arrivent à l'heure. Ce n'est pas, même si j'adore Pérec, l'ordinaire dans son ordinaire. C'est justement ce qui va bousculer tout cela, ce qui va créer une rupture, créer une surprise, créer un inattendu, et qui peut venir aussi des révélations du journaliste lui-même. Je dis ça parce que Il y a au cœur de cela quelque chose d'essentiel. Dans notre bataille
contre le journaliste de commentaires, contre le journaliste de glose, d'opinion. Cette idée qu'on est des artisans du petit fait vrai, du terrain, de tout ce puzzle qui permet de comprendre une réalité. Il y a aussi l'idée, justement, par cet artisanat, de rester ouvert à l'événement, ouvert à l'inattendu et à l'imprévu. De collectivement, parce qu'un journal, c'est une pratique collective, être disposé à voir ce qui peut nous-mêmes nous surprendre. Et donc à être confronté à ce sphinx qui va nous poser des énigmes. Et très souvent, contrairement à ce qu'on pense, dans les enquêtes que nous faisons, nous sommes sidérés de ce que nous découvrons. Nous ne pensons pas trouver cela. Nous ne pensons pas, nous nous posons des questions et nous trouvons une réalité qui est impensable. Alors, je dis ça parce que philosophiquement, ça rejoint une très très vieille tradition. Dans l'Ancien Testament, il est interdit, aux Juifs en l'occurrence, de prédire l'avenir. Parce que si l'homme prétend prédire l'avenir, il prétend prendre la place de Dieu. Pourquoi ? Parce que si je suis croyant, ben j'attends la venue du Messie. Et il n'y a que Dieu qui peut décider quand vient le Messie. Et fondamentalement, l'événement, c'est cela, c'est notre Messie à nous. Hein, c'est notre inattendu, c'est notre improbable. Pour continuer cette idée-là, c'est au cœur aussi de ce qui peut être la tristesse du journalisme, parfois, qui nous habite. On a des moments, on ne va pas les mépriser de bonheur, de se dire, bah tiens, mon information a été utile, elle a créé une réalité, elle a eu un impact sur la société. Mais on a beaucoup de moments où on est face à des réalités qu'on révèle et on se dit, mais tout le monde devrait en être sidéré, en être étonné, et finalement ça ne se passe pas. Il ne se passe pas grand-chose. Nous avons connu ça pas mal au début de Mediapart, où en plus il y avait l'indifférence du système médiatique par rapport à nos révélations. Ce qui rejoint, il y avait ce magistrat anti-mafia à notre colloque des 10 ans de Mediapart, Roberto Scapinato, et qui sort toujours cette phrase de l'Ecclésiaste, hein, où celui qui affronte la vérité, eh bien, forcément, il en gardera une certaine tristesse. Alors pour échapper à cette tristesse, j'ai trouvé une autre sagesse venue d'un mouvement citoyen qui était mentionné dans un article récemment de Mediapart, s'appelle le Ballet Citoyen. C'est un mouvement civique qui a renversé un pouvoir autoritaire et corrompu, celui de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Et c'est un des activistes de ce mouvement qui est un rappeur, il s'appelle Smokey, il a beaucoup d'humour et beaucoup d'élégance, qui un jour, lors d'un débat qui était fait avec une sorte de journaliste et de médias africains, s'est tourné vers moi à propos des enquêtes, à propos des révélations, en racontant comment, dans leur mouvement, des révélations avaient une utilité démocratique, en l'occurrence comment des fonds européens pour la construction d'une autoroute, où il y avait du coup eu des accidents parce qu'il n'y avait pas eu la lumière, il n'y avait pas eu les bas-côtés, eh bien ces fonds européens avaient été détournés pour une maison du président, pour un palais du président. Et donc comment la réalité, il y a une jeunesse qui est en danger, il y a des problèmes de stabilité des routes, de circulation, et en fait cet argent est détourné pour la corruption du pouvoir politique. Mais c'est à ce moment-là qu'il a eu cette formule, il a dit, mais bon, vous savez, vous les journalistes, vous soulevez des lièvres, vous levez des lièvres, mais c'est à la société de les attraper. C'est-à-dire qu'il faut accepter une certaine forme d'impuissance journalistique. Nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas président, premier ministre, nous ne sommes pas chef d'administration. Nous mettons des réalités là, sur la table. Mais il arrive que la société ne s'en empare pas. Il arrive qu'il ne se passe rien. Il arrive que ça n'ait pas lieu. Alors je continue le fil de résonance avec ce qui a été dit, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'Ancien Testament, en fait, moi je n'ai pas de culture religieuse, je l'avais découvert en lisant les thèses sur l'histoire de Walter Benjamin Benjamin, selon comment on prononce son nom. Alors pourquoi c'est important pour moi cette référence avec Benjamin, et c'est la clé pour le Schwebel,
C'est cette idée, au fond, nous, on a fait le choix d'aller dans cette modernité numérique. L'univers totalement numérique, d'être dans la rue numérique avec, au fond, c'est là que nous vendons notre journal, sur Twitter, sur Facebook, etc. Et en même temps, en faisant le choix de cette modernité, nous avons profondément voulu y défendre la tradition. Nous ne sommes pas allés dans cette modernité avec la naïveté de cette modernité, avec une idéalisation de cette modernité. On l'oublie, par exemple, quand Mediapart se crée, premièrement, il y a cette vulgate, l'information gratuite ne peut pas exister sur Internet, l'information payante, pardon, ne peut pas exister sur Internet, toute information ne peut être que gratuite, c'est la fameuse formule d'Alaminck qui nous a beaucoup servi, parce qu'on a dit « cette boussole a toujours indiqué le Sud », donc du coup, il s'est toujours trompé, abonnez-vous à Mediapart. C'est un peu notre talisman. Mais dans les autres vulgates qu'il y avait à ce moment-là, on l'a oublié et elles sont encore présentes dans certains secteurs. Il y avait cette idée, Internet, c'est forcément des formats courts. On ne peut faire que des articles courts. Les gens ne lisent pas du long sur écran. Mediapart, comme vous le savez, il y a des articles qui ont parfois même des longueurs de revues et des dossiers et de la mémoire. Et on a montré qu'il y avait justement la possibilité de sortir du formatage. Il y avait l'idée que forcément sur Internet, c'est en flux continu. Donc si c'est en flux continu, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus, vous avez dit verticalité, je préfère hiérarchie, des nouvelles. C'est-à-dire l'idée, un journal, c'est quelle est la nouvelle importante, quel est le menu important, quel est notre angle, quel est le menu qu'on vous propose, quel est l'agenda qu'on vous propose. Et donc d'emblée, on a eu cette idée, on va faire 3 éditions par jour. Retrouver la tradition de cette presse quand elle était conquérante, la presse imprimée, où elle avait plusieurs éditions par jour. Hein, dernière édition, bon, 3 éditions par jour avec leur hiérarchie et avec leur menu. Et puis, il y avait aussi cette idée, à l'époque, de dire, il n'y a pas de lieu de destination sur Internet. Tout le monde va surfer, comme si tout le monde avait 3 heures, 4 heures à aller se balader. Comme, il y avait cette utopie des agrégateurs, chacun va se faire son journal. Du coup, va se faire remplir le journal de ses opinions. Et je vais y revenir tout à l'heure. Et ne pas justement se dire, je veux aussi accepter d'être dérangé par une information qui ne rentre pas dans mes opinions. Donc s'il n'y a pas de lieu de destination, il n'y a pas de possibilité de dire, c'est un journal. Et nous, au contraire, on a dit, on peut avoir sur le numérique des gens qui disent, c'est mon journal. Comme notre génération lisait Le Monde et la génération de 68, même si elle pestait, même si ça, elle avait Le Monde sous le bras et elle regardait. Et qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui se passait dans ce journal? C'est mon journal, que je l'aime, que je ne l'aime pas, qui me déplaise et tout. C'est mon journal, c'est mon rendez-vous. Et donc, je dis ça parce que, au fond, dans cette idée de défendre la tradition dans la modernité, elle est totalement benjaminienne. C'est l'idée de la présence du passé. C'est l'idée de reprendre des combats, au fond, le legs des vaincus. Les vaincus ne sont pas des vaincus qui disparaîtraient de l'histoire. Au contraire, ils nous lèguent des combats inachevés. Ils nous laissent des promesses. Ils nous lèguent des promesses inachevées. Et si, grâce à la générosité de Maurice, parce que c'est la seule fois où il a accepté une réédition dans sa collection, qui est une collection de référence, si j'ai tenu vraiment à ce que ce livre voit le jour, au-delà de l'anniversaire, puisque c'est un livre paru au printemps 68, avec à l'époque où Paul Ricoeur lui-même dirigeait le département de philosophie à Nanterre, qui était au cœur de l'agitation, c'est que ce livre illustre cette tradition que nous voulons défendre. Et c'était très fort de retrouver quelque chose qui, moi, dans mes 25 ans au monde, parce qu'au fond, je suis aussi fait de ça, était très important, cette idée que dans cette génération, un peu collée-montée, un peu austère du monde, eh bien, c'était des irrévérencieux, c'était des irréguliers aussi, ce n'était pas des conservateurs. Et je l'ai dit dans un autre livre qu'on avait que Stéphanie a publié, qui est la troisième équipe sur l'histoire de l'affaire Greenpeace, où je rends hommage à cet univers. Et quand on lit le livre de Schwebel, au-delà de ce qu'il dit sur l'indépendance capitalistique des journaux, sur le fait en clair que l'information n'est pas une marchandise comme les autres,
et que même si la rentabilité d'un média est la garantie de son indépendance, eh bien, il faut protéger cette marchandise. Hein, ce n'est pas comme échanger des chaises, ce n'est pas une marchandise spéculable comme une autre, puisqu'elle est au cœur du débat démocratique, elle est au cœur de la vitalité démocratique. Mais dans le livre, vous le verrez, Jean Schwebel, c'est aussi un éloge de l'irrévérence, du non-conformisme, très britannique, on pourrait dire, dans une côté très british. Hein, très, c'était une figure du service international, c'était le chroniqueur diplomatique. Hein, c'est lui qui chroniquait les rapports Est-Ouest à une époque. Et alors, pourquoi Jean Schwebel? Parce que c'est l'homme qui a incarné le combat des sociétés de rédacteurs. Il a été le président, le premier, il y en a eu un éphémère juste un peu avant, pendant 21 ans de la Société des rédacteurs du monde, quand les rédacteurs contrôlaient 40% du capital et plus de la moitié avec les autres sociétés de personnel. Et puis il a créé la Fédération française des sociétés de journalistes avec un collègue qui lui était au Figaro, et c'était une époque où, dans le contexte de 68, est venu ce combat qui a été finalement perdu, combat qui bousculait y compris un Beuve-Méry qui était appelé patron dans son journal, hein, mais qui a accepté cette dynamique tout en disant « Ah, le soviet des rédacteurs, voilà, qui le bousculait et tout », ce qui peut-être m'arrive de penser parfois sur le soviet de Mediapart, mais je rigole. Mais voilà, parce que c'est aussi le jeu d'être bousculé et de ne pas être justement dans une logique de propriétaire vertical. Alors, toujours, et pour arriver dans ce cheminement, cette idée de dire il y a ce livre qui rappelle cette tradition que nous défendons, et au fond la valeur de l'information, et Karine Foutot va parler, je pense, de ce que ça représente, puisque Karine prend le relais avec Stéphane Aliès d'un des cofondateurs, François Bonnet, c'était l'idée en même temps de faire ce livre, la valeur de l'information, on pourrait dire comme un compte-rendu de mandat ou compte-rendu de combat. Hein, c'est un livre, si vous voulez connaître l'histoire de Mediapart, comment on l'a voulu, comment on l'a pensé, quelles leçons on peut en tirer, et puis comment on l'a défendu, c'est le manifeste, et puis à la fin, on annexe, il y a quelques articles sur nos batailles fondamentales qui sont repris. C'était l'idée, voilà, de dans ce passage que nous construisons de témoins, dire voilà le compte-rendu. Alors, quel est... Je ne vais pas reprendre tout ce qui est dit sur la valeur, l'utilité de l'information. André Burguière a très bien souligné ce point tout à l'heure. Mais en revanche, et André l'a souligné, il y a un message pour ceux qui feront la suite à Mediapart. Il y a un message pour moi essentiel dans ce livre. Il ne suffit pas de faire du bon journalisme pour faire un journal qui marche. On peut faire le meilleur journaliste qui soit, bon, avec des bonnes informations, ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait cette magie supplémentaire où un journal rencontre son époque. Et ça, c'est l'image justement du crieur. Ou c'est l'idée que l'on marche sur deux jambes. Et la citation de Victor Hugo, c'est « le fait et l'idée ». Donc oui, il faut d'abord la confiance dans un journal, c'est « est-ce qu'il m'apporte des informations utiles ?» Pas seulement des informations qui vont dans mon sens, des informations utiles. C'est pour ça qu'avec maintenant bientôt 150 000 abonnés individuels à Mediapart, ben nous avons des abonnés qui sont très divers, d'opinion, de sensibilité. Mais ils se disent, j'ai confiance, les informations sont utiles. Et au fond, c'est l'image de Mediapart, apporter des informations. Voilà, on ne peut pas nous citer des informations qui se seraient révélées fausses ou qui se seraient révélées non pertinentes dans le débat public. Mais il faut... Cette autre dimension est qui est la plus complexe. Quand on décide d'être un journal non partisan, non militant, au sens qui n'est pas lié à une idéologie, et qui en même temps se veut engager dans le débat démocratique. C'est la plus complexe parce que c'est celle aussi qui peut créer des malentendus avec les lecteurs, qui peut bousculer des lecteurs. On le voit bien sur une question qui est essentielle dans l'histoire de Mediapart depuis 10 ans, qui est évidemment le refus des discriminations. Et depuis qu'il y a eu les attentats en 2015, l'accélération de cette tension autour de l'islam, des musulmans, le refus de l'amalgame, hein, le refus de dire parce qu'il y a des attentats qui sont commis au nom de l'islam, dans une version idéologique totalitaire, eh bien, qu'il faudrait diaboliser, stigmatiser l'islam.
et en tant que tel. Et ceux qui y sont liés, soit parce que c'est leur croyance, soit parce que c'est leur histoire culturelle. Et là, je prends cet exemple, mais il y en aurait mille autres, c'est vraiment une question très importante, et on ne va pas se cacher, c'est des questions qui font des débats dans un collectif éditorial, parce qu'on est tous aussi faits de sensibilité. Mais il n'y a pas de réussite du combat de Camus, du monde de Beuve-Merry et de Jacques Fauvet, ou du Mediapart, de l'équipe de Mediapart, sans cette façon de rencontrer son époque, de se mettre parfois en risque et en danger. Je termine en disant que, je disais tout à l'heure, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. On a tout le thème un peu des deux livres, hein, c'est de dire combien je prends cette formule souvent, parce que les gens disent, il y a une popularité de Mediapart aujourd'hui qui est très émouvante, qui est celle de Robin des Bois. Hein. Pour moi, hein, c'est Robin des Bois piquer de l'argent aux riches, enfin dans le mythe, hein, pour depuis la forêt de Sherwood pour le donner aux pauvres. Et au fond, l'image de Mediapart, c'est vous piquer des secrets aux puissants pour les donner au peuple. Bon, c'est sympa ça. Mais je dis souvent, voilà, on est un petit poisson face à des gros requins dans une mer polluée. Est-ce que vous dites au petit poisson, sois courageux, petit poisson, il vaudrait mieux s'occuper de dépolluer la mer. Hein, parce que là, il y a des problèmes. Et là, je voudrais terminer sur deux points qui sont essentiels. D'abord, nous sommes dans le monde du numérique. Et je crois qu'il faut la crise de conscience, la prise de conscience et la crise nécessaire vis-à-vis des GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, est essentielle. Et elle est essentielle pour cette valeur de l'information dont nous parlons. Ce que vous entendez dans le débat sur les fake news, sur les fausses nouvelles, ce que vous voyez sur Facebook qui doit rendre compte des données personnelles, etc. Il y a quelque chose sur lequel que nous avons laissé faire et sur lequel il faut revenir. Dans cet espace numérique, la publicité n'est pas une recette complémentaire comme la presse traditionnelle. Il y avait d'ailleurs, on dit, le mur, the wall dans la presse anglo-saxonne. Il y a des encarts publicitaires et il y a une recette complémentaire. La publicité est désormais au cœur de l'information. Je disais, l'information n'est pas une marchandise. Désormais, dans la circulation des informations, la publicité est dedans. Pourquoi ? Parce que l'algorithme, les logiciels AdSense, etc., dans Google, dans etc., sont là pour pousser en fonction de la recette publicitaire. Et c'est quelque chose de terrible et qui est destructeur de l'intégrité de l'information. Une agence web m'a signalé, par exemple, dans le pouvoir qui fait cette loi fake news, qui est une loi de circonstance et une loi totalement discutable, et notamment dans le cas de l'affaire libyenne, où nous sortons des informations dans notre deux tours, cette loi aurait pu être utilisée pour étouffer nos informations, au lieu de débattre à la loyale, dans le cadre de la loi de 1881. Mais ils nous ont signalé, par exemple, ce pouvoir qui dit qu'il faut faire des lois sur les fake news, à cause de ces moteurs publicitaires, de ces régies numériques publicitaires, vous allez sur des sites complotistes, sur des sites d'extrême droite, sur des sites de rumeurs, etc. Et vous voyez des bannières, recrutement de militaires, recrutement d'enseignants, recrutement de policiers, c'est-à-dire des bannières de publicité institutionnelle du gouvernement, et qui, en fait, financent. On l'a montré dans les fake news, on parle d'un complot russe, mais la vérité, c'est que les sites de fake news ont été faits en Macédoine, et ils ont été faits par des jeunes pendant la campagne américaine, qui se sont dit « Ah, c'est un bon truc, ça va nous faire beaucoup de clics, donc ça va nous faire du fric. » Et donc là, il y a une vraie bataille qui n'est pas... Le projet, là, n'y touche pas, personne n'y touche. Il y a un problème de l'écosystème, hein, de cet univers numérique dans lequel... Même si nous y échappons par l'absence de publicité, c'est notre force, mais nous avons tout cela autour de nous, hein, qui est au cœur de la corruption de l'information elle-même, et de journaux de qualité, hein, qui jouent l'information comme cela. Et l'autre aspect qu'il a, qui n'est pas mondial, les Français, c'est évidemment les aides publiques, données à ceux qui, dans l'opportunité de la révolution numérique, ont réussi à prendre le contrôle du système médiatique. Nous avons un pays où l'ensemble des médias privés sont
propriété d'industriels qui ne sont pas des industriels de l'information, c'est la presse d'industrie, hein, de Boeuf-Méry, c'est-à-dire que critiquer Boeuf-Méry, c'est-à-dire des industriels qui vous disent « faites tout le meilleur journal que vous voulez, à une condition, ne touchez pas à mes intérêts ». Bernard Arnault, quatrième fonds de fortune mondiale, premier annonceur avec LVMH, possède le quotidien populaire et le quotidien économique. Et évidemment, on ne peut pas parler de Merci Patron, le film de François Ruffin, ou de quoi que ce soit d'autre qui le dérange. Et là, il y a ces 80 millions d'euros chaque année, 80 millions d'euros en cash, sont versés à ces industriels de la téléphonie, du luxe, de l'armement, etc. Et ils s'ajoutent aujourd'hui à leur dépendance de ces GAFAM, hein, ces oligopoles mondiaux, puisque Google, pour qu'on ne parle pas trop de son évasion fiscale d'homme de l'argent, puisque Facebook dit à ses journaux d'être ceux qui vont le recrédibiliser, puisqu'il y a un problème de l'algorithme de Facebook qui vous envoie des opinions et des fausses nouvelles. Et donc quand nous voyons par exemple l'affaire libyenne, Mediapart, comme vous le savez, dans l'indifférence a sorti ça, quand je dis l'indifférence, y compris des médias de qualité. Le Monde a dit que notre document était faux. Le Canard Enchaîné aussi. Le Facebook reprend, nous-mêmes, nous crions sur Facebook nos nouvelles au moment de la mise en examen de Sarkozy. Et qu'est-ce que je vois en dessous? Le Monde, média de vérification, retrouver nos informations sur le dossier libyen. Le Monde est payé par Facebook pour dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et donc, qu'est-ce qu'aurait dit en 2012 Le Monde? Ben, c'est pas bon. Et la nouvelle aurait été tue par un pur lien économique marchand, de dépendance marchande. C'est-à-dire que ce que décrit, avec un côté radical démocrate, ce n'était pas un gauchiste, Jean Schwebel, mais la vitalité qu'on sent dans ce livre, bien, il faut que l'on l'ait sur une situation qui est dix fois plus grave et qui appelle, pour moi, une vraie refondation par la loi de notre écosystème médiatique. J'en ai terminé, j'ai comme toujours été trop long. Je voudrais dire, voilà, en vous remerciant, en fait, la leçon de tout ça, c'est qu'il faut toujours se battre. C'est-à-dire que, voilà, je me souviens, Stéphane Hessel, comme François Maspero parlait tout à l'heure, a fait des événements ici. Et vous savez, quand Stéphane a repris dans Indignez-vous ce texte des résistants, il y avait Aubrac qui aussi était là, on a fait une soirée autour de lui. Je pense à toutes ces figures, hein, qui nous ont accompagnés, hein, qui aujourd'hui, pour moi, sont des... J'aime bien cette image, des petits fantômes qui vous accompagnent et qui sont toujours présents. Et il avait repris cette formule que j'ai trouvée très forte, qui avait fait cet appel des résistants, qui était « créer, c'est résister, résister, c'est créer ». Et au fond, pour moi, très immodestement, Mediapart, on a créé quelque chose auquel pas grand monde ne croyait, pour résister à une réalité que nous voulions combattre, et en résistant, nous avons créé. Voilà, merci. La transmission va se faire immédiatement, chargée, cette transmission. Et vu que Plenel semblait indiquer que vous alliez prendre en charge le bilan de la décennie, en tout cas revenir sur le projet de ce livre, la valeur de l'information. Alors est-ce que ce sera un bilan ou un droit d'inventaire, on verra bien. Peut-être aussi pour interroger ce que fera cette nouvelle génération et quels seront les terrains à labourer, les nouvelles puissances peut-être, et peut-être les nouveaux réseaux à explorer. Est-ce que, Karine Boutot, vous pouvez revenir sur cette décennie et vous projeter dans la prochaine? Je vais poursuivre en fait un peu ce qu'a dit Edoui, parce qu'effectivement ce qui nous attend, c'est la définition de nos activités à l'ère du numérique. On est vraiment déjà en plein dedans, ça va continuer. Donc Mediapart, c'est un pure player, on a fait ce choix du tout numérique. Forcément, ça a pas mal d'implications, on n'a pas de version papier. On l'a fait pour être dans notre temps, donc pas pour être se parer du web. On l'a fait vraiment dans cette idée qu'il fallait qu'on colle, qu'on soit en éclaireur sur cet espace qui était en train de bouger.
cette révolution numérique dont l'irruption était un chamboulement pour tout le monde, dans l'accès au savoir, dans nos vies personnelles, dans nos pratiques professionnelles. Donc voilà, pour nous, on a fait ce pari de l'Internet comme un lieu de démultiplication des possibilités de s'informer et d'informer. On a considéré que c'était un lieu où plus de gens avaient accès à davantage d'informations, plus de discussions, plus de controverses aussi, plus de débats, plus de partage. Alors évidemment, Edoui l'a déjà dit, là ce qui est en train de nous arriver, c'est qu'on comprend, avec un peu de retard, que évidemment Internet n'est pas un paradis, que c'est aussi un lieu de circulation d'informations tronquées, biaisées, donc ce qu'on appelle maintenant les fake news. On a invité Catherine Weiner, qui est la chief editor, donc la directrice éditoriale du Guardian, qui était là à nos 10 ans pour voilà, parler un peu aussi de l'indépendance de la presse et de son avenir. Et dans ce colloque, qui avait lieu donc au 104 vendredi dernier, elle s'est inquiétée de cette circulation accélérée des fausses nouvelles sur le web. Elle a expliqué à quel point pour un journal, pour une institution comme le Guardian, c'était un défi dangereux qui l'inquiétait énormément. Et effectivement, comme Edoui, un peu dans la poursuite de ce qu'a dit Edoui, elle a pris cet exemple de Facebook qui présente toutes les informations de la même manière, que ce soit des informations recoupées, de la propagande, de la publicité, tout arrive sur votre profil au même niveau. Tout est mis en œuvre pour que vous restiez le plus longtemps sur cette plateforme, sur ces plateformes, parce que c'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour d'autres entreprises numériques de ce type. Et donc, ce qu'elle a dit de manière assez intéressante, c'est que l'économie du numérique est donc une économie de l'attention et de la surveillance. Donc tout est fait et tout est mis en œuvre pour faire en sorte que les personnes qui vont sur ces réseaux restent sur ces plateformes le plus longtemps possible et organisent, développent leur avenir, leur compréhension du monde à travers ces réseaux. Et donc elle a expliqué à quel point cette situation était dramatique pour des journaux qui dépendaient de la publicité, puisque des lieux comme Facebook, évidemment, concentre ou Google, concentre, attire toute la publicité qui jusque-là profitait aux journaux, aux sites d'information. Et donc cette captation a eu pour effet, cette captation par les GAFA a eu pour effet d'entraîner les entreprises de presse qui reçoivent de la publicité, a eu pour effet de les entraîner sur un terrain qui n'était pas le leur, a priori, celui du clic, celui du flux, celui de faire en sorte d'avoir le titre le plus attirant possible, le plus bizarre, celui sur lequel on a envie de cliquer spontanément. Et donc, voilà, c'est mis en place une sorte de course effrénée au clic, qui est en fait assez bien connue hein, dans la plupart des journaux, notamment ceux qui ont une déclinaison numérique, qui fait qu'on regarde les papiers en fonction du nombre de clics qu'ils ont pu produire. Donc, pour vous donner un exemple, Mediapart, qui donc, ne dépend pas du tout de la publicité, ne regarde pas. C'est un indicateur qui ne paraît pas intéressant. Nous, ce qu'on va éventuellement regarder, c'est si on a des abonnés chaque jour. C'est cette courbe-là qu'on essaye de suivre. Mais savoir si un papier est plus cliqué qu'un autre ne nous intéresse pas particulièrement. Donc, même du côté de la direction, c'est un réflexe qu'on n'a pas vraiment. Et évidemment, les conséquences peuvent être dramatiques, puisque une direction éditoriale peut avoir envie, si elle regarde trop ce type d'indicateurs, de réévaluer les sujets en fonction de ce qu'elle considère comme produire du clic. Ce que disait bien aussi Catherine Weiner, c'était à quel point ces algorithmes, donc, qui sont derrière ces GAFA, avaient pour conséquence de produire des bulles
des bulles, de morceler l'opinion publique, de créer des bulles faisant que finalement les lecteurs ne se retrouvaient plus dans une communauté, mais étaient au contraire séparés en de multiples petits espaces, îlots séparés qui ne communiquaient plus. Donc elle était finalement assez inquiète de cette situation. Alors, de notre point de vue, on peut considérer que c'est une situation dramatique, on peut aussi considérer que c'est un défi pour le journalisme, puisqu'en fait, les fake news, il n'y a pas que des sites pourris comme ceux produits en Macédoine qui en produisent, il y a aussi pas mal de sites ou d'informations ou de journaux qui produisent des informations biaisées, qui vont trop vite, qui produisent des petits papiers vite faits pour attirer le chaland. Et donc il faut aussi considérer que peut-être que c'est le moment pour le journalisme de se reprendre en main, pour les journalistes de reconsidérer leurs valeurs, de revenir aux sources d'une certaine manière. Alors pas juste de revenir à avant, parce qu'il va falloir trouver le moyen de passer par-dessus tout ça et donc de retrouver l'essentiel pour aller plus loin. Mais il faut aussi accepter que certains journaux ont perdu leur repère. C'est pas complètement un hasard si plus personne ne fait vraiment confiance dans les médias. Il faut entendre ça. C'est un moment, on est à un moment où le crédit donné aux journalistes est assez faible. Et peut-être qu'il y a des raisons. Donc, je pense que c'est l'occasion ou jamais, cette espèce de révolution, enfin, c'est pas cette révolution qui est en train de se produire. C'est l'occasion pour la profession de retrouver ses fondamentaux et de prendre avec sérieux les critiques qui lui sont faites. Un autre effet très positif, puisqu'on est toujours dans cette critique finalement du numérique, comme si c'était une sorte de vague qui allait nous submerger, mais qui n'apportait rien de bon. C'est quand même ce rapprochement avec le lectorat. Moi, j'en ai fait l'expérience de manière très concrète, puisque, comme le disait Edoui, j'ai travaillé pendant 10 ans aux Échos comme journaliste qui suivait les questions sociales. J'ai dû recevoir 4 lettres manuscrites pendant ces 10 ans, qui étaient plutôt d'ailleurs élogieuses. Et quand je suis arrivée à Mediapart, j'ai eu un accès complètement différent aux lecteurs. Tout de suite, les critiques sont venues, des commentateurs. Alors, effectivement, c'est pas forcément particulièrement agréable, mais c'est très intéressant. Ça a eu pour effet, cette révolution du numérique, de faire descendre les journalistes de leur piédestal. Et croyez-moi, ils en avaient bien besoin. Donc d'un coup, on s'est retrouvés dans l'arène, à devoir argumenter avec les lecteurs, à les prendre au sérieux, à entendre les critiques, à accepter que peut-être vous vous étiez trompé, puisque vous écrivez sur des sujets sur lesquels certains de vos lecteurs sont bien plus informés que vous. Vous trouvez des informations, vous trouvez des idées d'enquête aussi dans ce lien qui peut s'établir avec les lecteurs. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est évidemment très intéressant, qu'il faut réussir à articuler pour nous faire avancer, nous, comme journalistes. Comment échapper, puisque j'ai quand même le sentiment que dans les années qui viennent, effectivement, c'est ce défi que nous lance le GAFA qui va être le plus important. Comment échapper à ce piège? Déjà, la première réponse, c'est une réponse structurelle. C'est-à-dire que c'est une question de structure économique. À partir du moment où on ne dépend pas de publicité, on échappe quasiment totalement à leur griffe, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est de prendre la publicité des sites d'information. Donc à partir du moment où on change de modèle, qu'on ne dépend pas de publicité, on est en grande partie protégé de ces institutions. Comment redevenir crédible? C'est ce que je disais tout à l'heure, retrouver nos fondamentaux, aucune interférence avec le monde politique, aucune interférence avec le monde des affaires, refuser les aides publiques, et oui, on en a parlé, refuser que le gouvernement décide à notre place ce que doit être la lutte contre les fake news, refuser d'être la propriété de milliardaires, refuser les financements de fondations privées, tu n'en as pas parlé, mais le mécénat,
quand on pense aux fondations type Bill Gates, sont aussi très problématiques dans leur genre, même si elles sont moins visibles, elles sont plus insidieuses. Elles produisent forcément des effets, donc il faut vraiment se garder, c'est-à-dire qu'il faut revenir en ça à la base, il faut se garder de toute interférence. Voilà, c'est effectivement ce qui fait ne pas poursuivre dans l'éloge de Mediapart, c'est un peu embarrassant, mais il faut. Et voilà, c'est vrai que notre force, c'est qu'on a de comptes à ne rendre qu'à nos lecteurs. C'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. Et c'est comme ça qu'on peut tenir. Edouard disait tout à l'heure, beaucoup de journaux pour essayer de s'adapter à la révolution numérique, ont décidé qu'il valait mieux se mettre du côté de ces organismes, type Facebook et Google. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des journaux dans l'espace français qui sont nourris, qui sont financés, sans que ce soit d'ailleurs très transparent. Il faut lire parfois des articles ici et là, mais enfin, c'est très compliqué d'avoir des informations. C'est l'occasion de citer ce passage qui est dans le livre d'Edoui, qui a cité deux confrères américains qui sont Bill Kovac et Tom Rosenstiel, qui disent au fond qu'est-ce que c'est que l'information. C'est la raison d'être du journalisme. La raison d'être du journalisme est d'apporter aux citoyens l'information dont il a besoin pour vivre et être libre et autonome. Et il va plus loin en affirmant que la vérité ne découle pas d'une juste addition de faits, mais qu'elle associe l'exactitude et le sens. Donc au fond, il faut qu'on retrouve ces valeurs de loyauté, de probité, de réflexivité, d'autocritique. À Mediapart, on essaye d'être un journal où on débriefe, où on accepte nos erreurs, ou même publiquement à certains moments. C'est toute une pratique quotidienne à mettre en œuvre au jour le jour pour essayer de retrouver, de travailler à nos manières de faire. Peut-être que pour essayer d'aller plus loin, parce que finalement cette histoire de GAFA, on sent bien que c'est l'énorme défi qui est devant nous, mais peut-être il faut les réduire à leur juste valeur pour tenter une analogie. Est-ce que ces GAFA ne sont pas les kiosquiers d'hier? Ces kiosquiers, c'est-à-dire finalement des gens qui ont un pouvoir pour hiérarchiser l'information, pour proposer, mettre en avant plus ou moins tel ou tel titre. Voilà, donc peut-être que c'est à nous aussi de trouver la manière d'utiliser, je dirais pas instrumentaliser, parce qu'il y aurait une forme de cynisme, mais c'est à nous aussi, médias, à partir du moment où on a compris, où on a des valeurs qui sont garanties, comment utiliser pour diffuser notre information, pour ces réseaux, s'il ne s'agit pas de les ignorer. On se mettrait dans une situation, attention à ne pas se retrouver dans une sorte d'îlot merveilleux où on ferait notre petit journalisme indépendant, formidable, etc. C'est ce que disait Mediapart, on est un journal qui doit s'inscrire dans le monde, qui doit être le reflet de la société. On ne peut pas faire comme si le monde tel qu'il est n'existait pas. Donc il faut qu'on arrive à trouver les outils pour utiliser ces réseaux sociaux, pour en profiter, pour diffuser, parce que je pense que c'est aussi un enjeu pour les 10 ans de Mediapart, pour les 10 ans à venir de Mediapart, c'est sortir de Mediapart. Mediapart est ce qu'il est, il faut qu'on arrive à faire en sorte d'ouvrir les portes, les fenêtres, pour que les informations qui sont dans le journal aillent plus loin, trouvent d'autres chemins, débordent un peu du journal. Voilà. Et donc, finalement, peut-être le dernier défi pour nous, c'est que ces GAFA, ces fameuses institutions, à nous de les avoir à l'œil. Il faut considérer qu'elles sont ce qu'elles sont, avec leurs énormes défauts et leurs tentacules, à nous d'être sur le qui-vive, de nous assurer qu'on décortique leurs activités, à nous d'enquêter, d'en faire un objet d'enquête en quelque sorte. Merci Carmine Couteau. Je vois Maurice Wander prendre beaucoup de notes depuis tout à l'heure, mais je vais le faire encore un petit peu patienter, peut-être pour faire réagir Edouard Plenel à ses propos de Carine Fouteau, parce qu'on vous entendait tout à l'heure décrire l'effet de surprise qui peut être le vôtre en découvrant ces informations, l'effet de surprise pour le journaliste, et donc en écoutant Carine Fouteau, je me demandais finalement s'il n'y avait pas un effet paradoxal
de cette crise de confiance dans la presse et dans le travail journalistique, parce qu'au fond, vous disiez, on n'a jamais eu autant besoin de vérité, de faits, de vérité factuelle. Et pourtant, cet effet de sidération, il nous envahit tous quand on découvre les informations révélées par Mediapart. Si on prend l'exemple très récent de l'affaire libyenne, à l'époque où vous disiez personne ne croyait, ou en tout cas il y avait une défiance à l'égard de cette révélation-là, il faut peut-être attendre des années et une enquête judiciaire pour peut-être enfin, je dirais, croire, parce qu'il s'agit de croyance, dans ces informations. Alors face à cette crise de confiance et face à cette sidération qui nous envahit, est-ce qu'on repense différemment le récit journalistique ou même la preuve, puisqu'on faisait une comparaison tout à l'heure entre le travail de l'historien et du journaliste, et même entre l'enquêteur et le travail du journaliste. C'est... Pour moi, l'enquête, et faire écho à ce que disait André Burguière tout à l'heure, je l'ai dit dans un autre livre qui a été Le droit de savoir, qu'on a publié notamment à Don Quichotte, j'allais dire à la découverte à Don Quichotte, qui est cette idée que l'enquête, c'est un puzzle. Et d'ailleurs, un historien, c'est ça, qui va dans les archives, il met plusieurs éléments, il recoupe, il voit comment ça fonctionne. Quand nous faisons cette nouvelle qui peut suggérer, qui peut surprendre, tout le monde va voir un titre, un nom, un résumé, un mot. Et en fait, nous savons que cette enquête sera d'autant plus forte que nous en savons plus. C'est pour ça que, par exemple, dans l'histoire de Sarkozy, nous avons fait les 60 questions là, que vous avez pu voir, c'était mardi, qui était une façon de faire comme, pendant qu'il était en garde à vue, eh bien, le policier ou les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent des questions qui sont déjà dans leur ordinateur et qui, en fait, détaillent le fond du dossier, montrent le puzzle. Et au fond, ces réponses, ils essayent de le coincer, on verra si... Ils ont réussi à lui faire dire des choses contradictoires, où il s'auto-incriminerait par ses réponses, mais fondamentalement, à la limite, ces questions n'ont pas d'importance, sauf si le policier marque un point, puisque de toute façon, les éléments sont déjà là. Une enquête, c'est un puzzle. Ce n'est pas seulement, et c'était tout l'enjeu de l'affaire Cahuzac, de faire comprendre aux gens que si nous avions pris le risque de publier, si nous avions l'audio, eh bien, c'est que nous avions eu au plus près, et avec le secret des sources, l'identification de la voix, l'identification de l'homme d'affaires, du chargé d'affaires, et ce que j'ai essayé vainement d'expliquer à François Hollande, qui 15 jours après, à sa demande, et c'est là où il me répond, mais il m'a dit les yeux dans les yeux que c'était pas vrai. Et je dis, mais depuis quand, en politique, on ne ment pas les yeux dans les yeux? Et il ne m'a pas cru alors que je lui disais, mais on a tout. Et si vous vous laissez embarquer dans son mensonge, vous verrez qu'il va vous discréditer. Donc c'est important cette idée du puzzle, parce que c'est souvent ça la bataille de la croyance. C'est que nous on dit aux gens, lisez-nous. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir, ils voient le résumé et comment il est dans le monde de la rue numérique. Et ils ne vont pas voir le détail de la cohérence. Dans le cas de Sarkozy, il n'y a pas que la note de 2012, il n'y a pas que le témoignage Takedine, comme il l'a dit hier à TF1, et c'est ce qu'on explique ce soir. Je ne sais pas ce qu'il explique, lui, pendant ce temps-là, pas à TF1, dans le Figaro ce matin, plutôt, il est maintenant à TF1, et il essaye de résumer ça en disant il y a des faussaires Mediapart, et il y a un escroc Takedine. Non, il y a plein d'éléments de recoupement, exactement comme voilà, pour faire un récit historique, on met plusieurs éléments comme une polyphonie, une polysémie, etc. Cette image du puzzle, pour moi, est l'image la plus cohérente sur l'enquête. Mais sur la question, sur cette idée de croyance et de comment combattre le faux. Tu crois quand même que, en étant évidemment d'accord avec tout ce qu'a dit Karine, et dont nous sommes protégés, simplement nous sommes dans un écosystème où nous sommes l'outsider, et où en même temps l'outsider est là pour poser les problèmes de cet écosystème, ce que nous n'arrêtons pas de faire. Je pense qu'il faut d'abord ne pas oublier que les premiers producteurs de fausses nouvelles sont les pouvoirs.
avant d'être le peuple numérique. Parce qu'il y a une tendance, dans le retour aux sachants et aux experts, qui d'en haut, on va remonter sur l'estrade, alors que le numérique nous a obligés à descendre de l'estrade, et on va dire c'est ce peuple qui est crédule, c'est ce peuple qui croit à toutes ces fadaises. Et nous on sait, et nous on sait. Et c'est l'esprit d'ailleurs de la loi fake news. Et nous on sait, et c'est l'esprit de Facebook qui demande à, en l'occurrence c'est Libération, l'AFP et le Monde, ils les payent pour dire voilà, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et donc il y a derrière là quelque chose qui essaye de mettre de côté que le premier producteur de fausses nouvelles aujourd'hui dans le monde, c'est le président des États-Unis d'Amérique, et il utilise Twitter. De se dire que dans l'affaire de Cahuzac, ce n'est pas le peuple numérique, c'est un pouvoir politique, c'est les médias dominants qui relaient en disant qu'il est blanchi par une enquête suisse. Et nous, nos batailles pour qui est le crédit de nos investigations, eh bien, elles se font d'abord, hélas, face à ces médias-là qui, normalement, ont la même culture professionnelle que nous. Et là, il y a un vrai... pour moi, il y a un vrai problème sur lequel je suis un peu court dans ma réponse, parce que, vraiment, je voudrais rendre hommage à l'équipe de Mediapart, parce qu'on se dit... voilà, c'était... c'était pas sûr que ça marche. Moi, j'étais sûr, mais je ne sais pas dans combien de temps. Il y avait toute une équipe qui suivait ça, qui acceptait ce risque. Et au fond, qu'est-ce qu'on a vu là, c'est qu'en fait, nous nous heurtions d'abord à les journalistes de Mediapart venaient tous. Les fondateurs venaient du Monde. J'ai dit Karim était des Échos. Il y avait des gens qui venaient de Libération. Il y avait des gens qui venaient de 20 Minutes. Il y avait des gens qui venaient de l'AFP. Il y avait ça. Et on se heurtait à ce monde-là qui, parce que nous étions outsiders, totalement indépendants, etc., ne donnait pas crédit. Ne donnait pas crédit. Et c'est eux d'abord qui ne donnaient pas crédit. Je le redis, dans les enregistrements Bettencourt, tout le monde a oublié cet épisode. Aujourd'hui, tout le monde sait que ni le majordome, même le majordome, a été relaxé, alors qu'il a vraiment violé l'intimité de la vie privée de sa patronne. Mais, état de nécessité, la justice a reconnu qu'il l'a fait un délit en effaçant un autre. C'est-à-dire qu'il l'a fait pour la sauver des gens qui voulaient la dépouiller, prendre sa fortune et abuser de sa faiblesse. Et donc, il a fait quelque chose, pas à son profit, pas pour s'enrichir, mais pour sauver quelqu'un. Et donc, il a été relaxé, et nous-mêmes, on a été évidemment relaxés. Je rappelle qu'on a eu plusieurs années de procédures judiciaires. On a été relaxé du délit de recel, de violation de l'intimité de la vie privée. Mais tout le monde a oublié que nous, dans cette bataille où la justice n'a pas été au bout, et on va le comprendre dans l'affaire Libyenne. L'affaire Libyenne, c'est le financement de 2007. Dans l'affaire Bettencourt, il y a le financement de la campagne de Sarkozy de 2007. Les juges n'arrivent pas. Et du coup, relaxe M. Eric Woerth. Mais là, cette question qui a été soi-disant classée revient par l'affaire Libyenne. C'est un fait nouveau. Et Eric Woerth va lui-même devoir à nouveau s'expliquer. C'est-à-dire que le feuilleton repart. On a deux campagnes électorales qui ont été truandées. Celle de 2012, c'est Big Magnon, et celle de 2007. Il faut quand même qu'on prenne conscience de la réalité de ce qui nous arrive. Et donc, ce qu'on a oublié, c'est que nous, dans la bataille pour imposer cette histoire, où je rappelle que je suis pas, c'est moi qui ai dit, je sais où sont les enregistrements Bettencourt, je veux qu'on ait les 21h, et Fabrice Arfi s'est mis dessus, etc. Mais je sais très bien pertinemment que d'autres médias le savaient, et ils n'ont pas voulu les prendre. Ils ont dit « intimité de la vie privée », ils n'ont même pas voulu les écouter. Donc entendre la compromission politique, etc., ce qui est le premier réflexe du journaliste avant de publier, c'est au moins la curiosité. Et ils nous ont donné des sons, comme si on avait des méthodes soi-disant voyous, comme si on ne pratiquait pas à Mediapart le même journalisme que j'ai réussi, que j'ai toujours défendu, y compris au Monde. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez qu'il y a 70 articles de Mediapart qui sont toujours censurés. Je pourrais censurer, contournement de la loi sur la presse, violation soi-disant de l'intimité de la vie privée, référer, toujours ces procédures où on ne va pas au fond, et du coup on dit « vous avez violé l'intimité de la vie privée ».
pression sur la justice, manœuvre, et on vous demande de censurer, sous peine d'une amende, tous les articles où il y a les audios et les extraits de ces bandes. Alors que c'est une preuve pour la justice qui a permis d'entrer en condamnation. Vu qu'on a été blanchi, on pourrait ignorer cette censure. Nous ne l'ignorons pas. Pourquoi ? Parce que nous avons saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette année ou l'année prochaine, je pense que nous aurons une décision qui va faire condamner l'État français, sa justice, pour nous avoir censurés. Hein. Pourquoi je dis tout ça ? C'est pour dire que dans le moment, dans la bataille pour les infos, bien sûr qu'il y a, au fond, on découvre la face cachée du numérique, la part d'ombre du numérique. On est confronté à la part d'ombre du numérique, dont la clé, c'est monnaie, 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 c'est l'argent. Hein. Et c'est la logique de marchandisation de l'information, des opinions. C'est ça notre adversaire. Et on est face à ça, et je pense que le reste du système médiatique qui, lui, est dans le modèle publicitaire, va y être confronté. Il va comprendre combien, quel est son malheur. Hein. Nous, nous sommes protégés face à ça. C'est ce que le Guardian, qui, lui, est dans un modèle gratuit, commence à comprendre, justement. Et c'est pour ça qu'elle s'interroge et qu'elle pose des questions en ayant le soutien d'un trustee qui garantit l'indépendance du Guardian. Mais ce que je veux dire, c'est que tout bien qu'il y a ce paysage-là, mais il y a d'abord, en clair, pour dire les choses franchement, la faible intensité démocratique de notre pays. C'est ça qu'il y a, la justice si longue. Vous savez qu'il y a l'ingérence d'une puissance étrangère dans l'histoire électorale américaine, la Russie. Procureur spécial, 60 enquêteurs, à temps plein. Il y a l'ingérence d'un pays étranger, c'est pas une puissance, même si c'est riche, la dictature libyenne dans un processus électoral français. 2007, l'affaire libyenne, que nous avons portée tout seul. Voilà, bon. Vous savez quels sont les moyens ? Un policier. Et il n'est pas à plein temps. Il traite aussi les autres dossiers. Donc, vous voyez ce qu'est notre police anticorruption. C'est quand vous voyez l'ampleur du dossier, les commissions rogatoires, les traductions, nous-mêmes, on sait tout ça, on travaille dessus. Mais même nous, on est plus nombreux qu'eux. C'est sidérant. Le déséquilibre est total. Sans compter, le procureur anti-mafia le rappelait, parce qu'il expliquait pourquoi le référendum italien qui a été rejeté, qui a expliqué la chute de M. Renzi. L'Italie, M. Renzi, soi-disant pour moderniser, voulait s'inspirer un petit peu de la Ve République. Et lui, il dit, mais attendez, vous, la France, votre parquet n'est pas indépendant. Pourquoi en Italie, on a conscience qu'il y a une mafia ? Alors que nous devrions regarder, oui, il y a des pratiques mafieuses en France. Et pourquoi on a conscience de ça et pourquoi la société se mobilise contre ça ? Mais parce qu'il y a une presse, certes, mais il y a aussi un parquet indépendant. C'est-à-dire que ceux qui peuvent décider d'ouvrir des poursuites, ceux qui peuvent diligenter des poursuites. Il y a même des dispositions qui ont permis, parce qu'au fond c'est la clé dans l'affaire, c'est l'histoire Paul Bismuth. Hein. L'histoire Paul Bismuth, c'est une écoute téléphonique où Nicolas Sarkozy se comporte comme un bandit, comme un voyou, pour masquer qui il est, dans une recherche de pression sur la justice. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que fait la police ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Comme un voyou qui dit « qu'est-ce qui se passe ? Ben, je veux avoir le dessous des cartes ». C'est une écoute libyenne, dans le dossier libyen qui permet ça. Et cette question des moyens, parce qu'au fond, avoir la part d'ombre de ce monde de pouvoir et d'argent, c'est aussi savoir ce qui se passe quand il n'est pas en communication. Donc ça veut dire, évidemment, aller derrière. Donc, je me suis un peu éloigné de votre question sur l'état de sidération de croyance pour dire que non, je pense qu'indépendamment de ce problème du numérique, nous avons toute l'histoire de Mediapart, que ce soit vis-à-vis de la confraternité dans les médias, que ce soit vis-à-vis de l'écosystème médiatique, que ce soit la difficulté d'imposer des vérités, quand même, l'affaire Cahuzac, l'affaire Bettencourt, l'affaire libyenne, eh bien, qu'est-ce qu'elle pose ? Elle pose quand même le problème de notre faible conscience démocratique. Nous ne nous en émouvons pas. Vous pouvez croire Mediapart, mais pour autant, vous n'en créez pas un mouvement citoyen, comme il y a eu les mouvements citoyens sur la corruption en Espagne. Pour se dire, par exemple, que sur l'histoire libyenne, où il y a quand même une guerre derrière, et une guerre qui fait la dispersion de l'arsenal libyen, qui était l'arsenal le plus moderne d'Afrique, dans les mains des djihadistes, qui est donc au cœur, aujourd'hui, de l'intervention française dans le Sahel. Donc nous avons contribué au désordre. Nous avons créé nous-mêmes des désordres que nous prétendons conjurer
depuis, eh bien, il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire en France. Il n'y en a pas. Parlement britannique, vieille démocratie, plus vieille que nous, et démocratie parlementaire, un rapport parlementaire. Et que dit-il ? Il dit que dans la façon dont cette guerre a été au-delà du mandat des Nations Unies, dont je rappelais que c'était juste une zone d'exclusion aérienne, c'était pas renverser un régime, et encore moins permettre qu'à cette occasion le dictateur soit assassiné, eh bien, le rapport parlementaire britannique fait par quelqu'un du même parti que M. Cameron, donc par la droite britannique, il dit, premièrement, que l'intervention n'était pas fondée sur des renseignements exacts. Donc fake news, fausse nouvelle, ben, c'était la colonne de Benghazi, là. Eh ben, ils disent, non, la colonne, on ne l'a pas trouvée. Qui allait massacrer des civils. Mais plus, je les cite, c'est quoi ? C'est pas moi. L'affirmation selon laquelle Muammar Kadhafi aurait ordonné le massacre de populations civiles n'est confortée par aucune preuve fiable. Ils ont été jusque dans les morgues. Et dans les morgues libyennes, ils disent, c'est les combattants. Certes, ils ont été tués. Mais c'était les combattants djihadistes de factions diverses, d'opposants à Kadhafi. Ce n'étaient pas des civils. Ils n'ont pas trouvé de mort civile. Et nous, on nous a dit, attention, il est en train de massacrer son peuple. Et on est parti. Et là, le rapport britannique, hein, Nicolas Venenum, dit, parmi les raisons de cette précipitation qui a été au-delà du mandat, je cite, il y avait l'intérêt politique personnel de Nicolas Sarkozy. Understatement britannique qui n'est pas évidemment sans rapport avec notre affaire. Moi, ce moment, le temps passe et donc je vous cède la parole. Alors, quand on a préparé cette soirée, on s'est remémoré ce que vous aviez dit pour soutenir le lancement de Mediapart, et vous étiez déjà dans la défense du modèle payant qui était contesté par tous. Et vous prononciez en philologue, et donc je vous laisse le dernier mot. Merci, sûrement pas le dernier mot, parce qu'il y a sûrement une question dans la salle. En tout cas, donc, je ne vous cache pas que toutes celles et ceux qui sont dans la salle, j'étais passionné d'entendre tout ce qui s'est dit. En effet, ce que Pierre Maillot vient d'évoquer n'est pas tout à fait faux. S'il y a un compagnon philologue et archéologue de Mediapart, il y en a d'autres certainement nombreux, mais c'est vrai qu'en réalité, ce qui fait qu'en écoutant aussi bien André Burguière, quand il disait que le journaliste est un historien qui travaille vite et qui écrit bien, je le cite, lorsque Karine Foutot a dit « il est important de se reprendre en main », je vous demande de retenir le mot « main », quand je dis ça, je ne le sors pas de son contexte, je dis « main », la main, on écrit avec une main, avec des doigts, sur un clavier, on clique même les mains. Lorsque Edoui a dit et parlé de l'importance de la vérité factuelle, d'établir les faits, je me suis dit, on va me faire mal voir si je bouge le curseur un tout petit peu, mais en 3 minutes. Historien. Enquête, c'est histoire, c'est vrai, Hérodote. Mais quand on fait une enquête, qu'on soit historien et ou journaliste ou bien d'autres types d'enquête, on fait son enquête en observant des faits, en regardant des choses dans les archives ou ailleurs. Par exemple, le philologue, il cherche, dans les civilisations via l'écriture, des mots. L'archéologue, dans la même civilisation ou ailleurs, il cherche des figures avant d'interpréter, avant d'écrire l'histoire, même je dirais ce dont on se sert pour enquêter, ce sont ces traces. Or, ces traces peuvent être des faits, ou peuvent être des faux. Donc, l'établissement des faits, l'établissement du texte, l'établissement de l'image est quelque chose qui préside et qui est antérieur à la compréhension et à l'analyse qu'on peut en proposer en faisant l'enquête. Pourquoi je dis ça ? Je vais me faire mal voir pour une autre raison, parce que on se dit pourquoi il dit du bien de nous, je pense à Mediapart. C'est vrai,
pas seulement Mediapart, mais j'ai été frappé depuis la création de Mediapart, et cela pour l'ensemble de l'équipe, je ne lis pas tous les textes, mais je l'en lis pas mal, par l'attention d'abord philologique, technique, en effet, aux sources. Si toutes ces affaires ont pu sortir par Mediapart, c'est bien sûr parce qu'il y avait l'indépendance et l'autonomie, mais c'est d'abord parce qu'il y avait une capacité de, à la fois de collecter des documents, de les vérifier, de les... C'est très banal, on sait que le journaliste recoupe ses sources, mais il faut d'abord pouvoir aussi les lire. Et quand on nous les restitue, quand Mediapart nous les restitue, eh bien, je trouve que cette pratique, et ça nous ramène aussi à Benjamin, à Walter Benjamin, est du côté de la philologie. On a tort, parce que ce serait une vieille chose, de sous-estimer la philologie qui est simplement, au fond, d'abord l'établissement d'un texte, et se reprendre en main, sans y aller à l'esprit et à la lettre. J'ai envie de dire, en vous écoutant, Karine Photo, il y aurait la main et la lettre. La main et la lettre, pour moi, ça m'intéresse beaucoup plus que l'esprit. L'esprit, c'est très important, ça interprète, ça essaie de comprendre, ça chante des chansons, ça fait de la métaphysique, de la philosophie, toutes choses qu'on peut aimer. Mais mieux vaut que ce soit, en effet, en partant de textes et de sources assurées. Alors, ce quoi faisait allusion Claire Maillot, parce qu'elle voilà, elle a fait de l'archéologie, médiapartine, médiapartesque, comment on dirait ? En allant sur Mediapart, et à ma grande surprise, elle a trouvé, en effet, ce truc, je ne sais pas quoi, un petit film de 3 minutes, fait ici, à la Maison de l'Amérique latine, en effet, avant la naissance de Mediapart, où un certain nombre d'amis et de collègues, on leur a demandé quoi qu'ils ont fait Mediapart. Alors, moi, j'ai dû dire quelque chose, parce que je suis allé voir, vous ne me souvenez plus, j'ai dû dire quelque chose, et ça me ramenait à nos premières conversations avec Edoui. La première fois qu'il a dit Mediapart, il dit, les gens qui n'aiment pas, je trouve que ça fait un vilain mot, Mediapart, etc. Ça sonne mal, je lui ai dit directement, j'avais l'habitude avec la création des noms de collection ou de revues chez les éditeurs, il n'y a que ce qui a du succès, dont on dit après que le nom est bon. Par exemple, une revue, moi je me souviens dans les années 70-80, la revue Critique. Moi, Critique, c'était Georges Bataille, c'était sublime. Critique, c'est pas un bon nom de publication. C'est devenu bon quand c'était donc Mediapart. Mais Mediapart, ça voulait dire quoi pour moi? Alors là, j'ai fait, je termine rapidement là-dessus, j'ai fait un tout petit peu de gag. Média, vous savez ce que sont les médias. Mais part pour expliquer pourquoi ce qui est part ne peut être que payant dans une démocratie. C'est parce que le mot part, vous savez que c'est partagé. Il y a une famille de mots en grec qui est la même, qui est une famille avec un verbe nemein qui veut dire partager, faire connaître au large, mais c'est le même verbe qui donne nomisma, la monnaie, et nomos, la loi. Alors, la loi, la monnaie, le partage, payer pour avoir des lois et de la démocratie et de l'information, pour moi, c'était mon petit récit à moi, médiapartesque, avant sa naissance. Vous direz quand même qu'il ne faut pas oublier que le même verbe et la même famille sémantique, elle indique à la fois la mesure juridique, j'ai rappelé la loi, la mesure économique, mais aussi le même mot « nomos », et vous l'avez dans un vieux mot français, Moyen-Âge « neub », veut dire aussi la mesure poétique, la main dont vous avez parlé, l'écriture. Et enfin, quand j'ai repris mes sources cet après-midi pour dire « il va y avoir encore des trucs auxquels je pense », eh bien oui, le même verbe suppose aussi le jeu, parce que partager, c'est jouer, c'est comprendre. Et il n'y a pas que la mesure poétique, il y a aussi la... tout ce qui est de l'ordre de la procédure commune et qui suppose des règlements. Je me suis retrouvé avec un vieux texte grec, et je m'arrête là-dessus, qui rappelle que même pour jouer au dé, il faut des règles. Alors, je propose en effet, pour fêter Mediapart, qu'on se souvienne d'une société démocratique. Il faut beaucoup jouer au dé. Merci Maurice Mondeur. Participez, prenez la parole, vous pouvez poser quelques questions. Il y a un micro qui doit circuler peut-être dans la salle. Vous prenez parler de la liberté de la presse. Comment expliquez-vous en France, depuis pratiquement toujours,
le pouvoir politique ou religieux voulait censurer, mettre à sa botte la liberté de la presse ou de l'information, qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Comme vous savez, le numéro 4 de la Constitution américaine, c'est la liberté et l'indépendance de la presse. Au Royaume-Uni, n'en parlons pas. Dans les pays scandinaves, n'en parlons pas. Regardez la BBC, la télévision, la radio, la plus écoutée ou vue dans le monde. Et je vous apprends peut-être quelque chose, peut-être que vous ne savez pas. En Europe centrale, on a vécu pendant 45 ans sous l'occupation russe. Il y a la presse libre, il y a des journaux comme le vôtre, et malgré ça, il y a des gens qui continuent à écouter ou regarder la BBC comme sous l'occupation russe. Comment expliquez-vous ça? Peut-être qu'on va faire un petit tour de la salle avant de donner la parole aux intervenants. Oui, c'est un peu le même sujet. Et je voulais poser la question à Claire Maillot. Oui, parce qu'au fond, on a deux modèles. Il y a le modèle public d'une information telle que la diffuse, je ne sais pas, France Culture ou d'autres, qui a priori, autant que je sache, ne sont pas liés à la publicité. Peut-être le pouvoir, je ne sais pas, mais en tout cas pas la publicité. Et puis il y a le modèle donc, de Mediapart qui, visiblement, apporte énormément, et la preuve qui a amplement été apportée ce soir, et je remercie à tous ceux qui l'ont fait. Mais justement, Claire Maillot, est-ce que le service public, comme la BBC le fait peut-être en Bretagne, parvient à ce journalisme d'investigation et au fond à établir des faits ou pourrait le faire? Enfin, comme on voit bien comment ça se complète, mais ça pose question quand même. Est-ce qu'il faut un modèle comme Mediapart qui est un modèle très courageux et donc peut-être très fragile dans l'avenir, ou est-ce qu'un service public bien organisé ne pourrait pas faire ça? Qu'est-ce qu'il faut proposer aussi? Eve Blinel suggère, pour répondre à votre première question sur la différence entre peut-être le modèle français, puisqu'il l'a évoqué tout à l'heure sur la figure de l'intellectuel, en tout cas, il notait une différence, et le modèle anglo-saxon, est-ce que vous voulez peut-être en deux lieux prendre la parole et répondre sur cette différence-là? Bien sûr, mais je crois effectivement que en France, le modèle de la liberté d'expression est lié aux Lumières. Et en fait, les Lumières, c'était pas un mouvement populaire, c'était un mouvement d'élite. Et en fait, qui héritait d'ailleurs déjà d'une culture d'élite, la culture des salons, etc., où l'on pouvait discuter librement. C'était le seul endroit où on pouvait discuter librement, justement. Donc, ce modèle est resté très fort. Il a plutôt défini une élite, mais disons que cette liberté ne devait pas se transférer à l'ensemble de la population. Alors, bien sûr, révolution a été un changement brutal, puisqu'il y a eu une explosion gigantesque de presse. D'ailleurs, il y a eu un nombre de journaux incroyables à certains moments, donc qui apparaissaient, qui disparaissaient, etc., au moins jusqu'en 1993. Et ensuite, effectivement, le modèle d'Ancien Régime a repris le dessus. Mais, en 1830, on a vu des classes populaires, des ouvriers, se soulever pour la liberté de la presse. Donc c'était à ce moment-là, disons, que le message avait traversé les classes sociales, mais évidemment il avait continué à avoir une signification révolutionnaire, contestataire, donc il n'était pas dans la normalité du fonctionnement des libertés. Me voilà interrogé, et donc j'ai envie de revenir presque à ce que je vous ai dit au début. D'où tu parles, camarade? Je parle de France Culture. J'avoue que votre question est tout à fait légitime. Je m'y attendais pas, pour être tout à fait honnête, mais effectivement, je pointais du doigt les différences de conception, en tout cas dans ma pratique quotidienne, puisque je vais parler d'un point de vue très subjectif, entre le travail de Mediapart et le travail de France Culture. Alors s'il s'agit de parler d'investigation, de travail d'enquête, j'avoue que France Culture, c'est pas forcément le meilleur endroit pour en parler, parce que nous n'avons pas forcément le service qui est dédié à ça, et que ça n'est pas forcément notre mission. Et tout ça, je le dis en mon nom, c'est toujours compliqué de parler au nom d'un média, et qui plus est pour le service public. Après, de la même manière, je m'en référerai à mai 68, j'ai presque l'impression qu'on me renvoie à l'ORTF. Bon, il y a eu depuis, bien évidemment, vous le
vous savez, séparation, et je pense qu'Edu Plenel aurait beaucoup de choses à dire sur la question du service public. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il existe au sein de Radio France, puisque je n'ai que cette expérience-là et ce regard-là, une cellule d'investigation qui rapporte le résultat de ces enquêtes, notamment sur France Inter. Je voulais juge de ce travail-là. Après, je ne peux absolument pas vous répondre. Je suis, comme tout à chacun, citoyenne, et j'observe, moi aussi, peut-être les conflits d'intérêts, mais je n'ai pas l'information, je n'ai pas le pouvoir, ce soir, de vous répondre sur ce point-là. Mais peut-être que Edu Plenel a un avis sur la question. Non, je reviendrai aussi sur la première question, sur la deuxième. Au début de Mediapart, quand il fallait faire la pédagogie de ce modèle payant, j'avais théorisé quelque chose qui rejoint ce qui est dans la valeur de l'information sur le public face à l'audience. Un journal, c'est un public, comme on est là, on a des visages, on a une conversation. Il peut y avoir différents journaux, différents publics. La question du public est au cœur de la conversation démocratique. Et de ce point de vue, il y a Habermas en Allemagne, mais les premiers à avoir le mieux théorisé ça, je pense, avec quelques cousins français qui ont été un peu étouffés, ce sont les philosophes pragmatistes américains, John Dewey, qui ont théorisé ça, le public et ses problèmes, la question du public, comment on construit un public, une conversation démocratique. Et donc, pour expliquer le choix de notre modèle économique, je disais, il y avait la presse-papier. Presse-papier, bon, elle cherche à avoir un public et elle a une recette complémentaire, la publicité. Mais son premier travail, donc, c'est produire ses informations, etc. Arrive la radio, et là, la radio et la télévision, c'est pas un modèle payant, c'est un modèle gratuit. Hein ? Modèle gratuit. J'écoute la radio, j'écoute la télévision. Et donc, j'en reviens aux origines. Les démocraties, toutes, même si dans certains pays... son audience est beaucoup plus faible que l'audience des radios ou des télévisions commerciales, se sont dit qu'il faut créer un service public. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus que la gratuité publicitaire avait une conséquence désastreuse sur l'état du débat public. Et donc, à ce moment-là, ils ont dit, mais il nous faut un service public. Et là, on est au cœur, et là, on en revient, parce qu'au fond, l'histoire qui nous arrive avec les GAFA est la même histoire. On peut accepter la publicité comme recette complémentaire, mais la publicité, si elle devient le modèle unique qui garantit, par exemple, la possibilité de faire de la gratuité, eh bien, elle est dans une logique d'audience de foule, de masse. C'est comme le clic, c'est en avoir le plus grand nombre. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va étouffer la nouvelle qui dérange, on va étouffer la nouvelle qui réveille, on va donner la priorité, et vous le voyez dans ce qui se passe avec les talk shows à l'opinion, au blablabla d'opinion, sur le sérieux de l'information. Et donc, du coup, on dit il faut des services publics payés par quoi ? Par l'impôt, par la redevance. Et quel est le débat sur la qualité ou non du service public ? Je pense à France 2, France 3, etc. C'est justement parce qu'ils se sont mis à vouloir rentrer dans une logique de course à l'audience face aux télévisions privées. Et là, je dis ça parce que dans le Schwebel, c'est d'une modernité totale. Alors, le contexte n'est pas le même, mais évidemment, le deuxième chapitre, c'est une presse commerciale. Et c'est quoi une presse commerciale ? C'est la publicité RN, la recherche du sensationnel, le souci de ne pas choquer, la part croissante donnée aux faits divers et à la distraction. Et ensuite, sous-équipement rédactionnel, publicité et concentration, régime féodal, tout y est déjà. Et là, on est au cœur d'un sujet. Le modèle gratuit publicitaire, c'est le modèle du divertissement. L'information qui suppose un public, eh bien, c'est soit le soutien des lecteurs, soit l'impôt. Et l'impôt oblige le service public à être vraiment un service public. C'est ce qu'il doit faire. J'en reviens sur la première question. Bon, ben, on est au cœur de ce qui nous anime. Je le dis dans la valeur de l'information en revenant sur 1789, 1791, 1793. Il y a une déclaration des droits de l'homme en 1789, la France en est très fière, qui est comme une motion de congrès socialiste dans son élaboration. Je rigole un peu, parce que c'était quand même plus audacieux qu'un congrès socialiste par les temps qui courent, mais bon, c'est une motion. Dans cette déclaration des droits de l'homme française, l'article sur la liberté de la presse et d'opinion
est le seul article où une liberté fondamentale est énoncée avec une restriction, sauf à répondre de ses abus devant la loi. Alors que s'il y a loi fondamentale, droit fondamental, eh ben, c'est le juge qui est l'arbitre entre différents droits fondamentaux. Là, il y a une restriction qui va donner lieu pendant 3 ans à des débats, évidemment, comme c'était une révolution du journal, ce qu'a dit André, pour essayer de faire revenir la censure, pour revenir. Et à l'époque, Robespierre, qui va, quand il y aura le comité de salut public ensuite, va trahir ça, sera un des plus ardents défenseurs d'une liberté de la presse intégrale. 1793, la constitution de l'an 1, l'an 1 de la République, nouvelle déclaration des droits de l'homme totalement oubliée, qui, parce que cette constitution de l'an 1 ne sera pas appliquée, la terreur et ainsi de suite, c'est qu'une déclaration. Mais dans cette déclaration des droits de l'homme, la deuxième, eh bien, l'article sur la liberté de la presse lit trois libertés fondamentales, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté de croyance. Trois libertés fondamentales. On a le droit de se réunir et de manifester. On a le droit de diffuser et de lire, etc. Et on a le droit d'avoir la religion, la croyance que l'on veut. Cet article, et c'est trop peu souligné par nos historiens, est une adaptation, presque un copier-coller, du First Amendment, du premier amendement de la Constitution américaine de 1791. Qui lit ces trois réunions, ces trois droits fondamentaux, c'est-à-dire qui dit aucune loi ne sera faite contre la liberté de croyance, contre la liberté de réunion et contre la liberté de la presse. Et là, on est au cœur de ce que Rosan Vallon et d'autres ont appelé l'illibéralisme français, c'est-à-dire un pays qui n'a pas de tradition politiquement libérale. Ce qui donne, là, mon téléphone n'arrête pas de biper parce que j'ai bien compris, Sarkozy a fait un festival à Mediapart à TF1 ce soir. Donc voilà, parce que pour se défendre, voilà, c'est Mediapart. Et ce qui donne ça, j'ai été très choqué dans la polémique où on a essayé de vraiment, qui a blessé beaucoup toute l'équipe de Mediapart. On est sorti de ce marécage, mais cette polémique qui a essayé de nous blesser cet automne, et pu passer dans le débat public sans aucune protestation. Je le rappelle dans le livre, le fait qu'un ancien Premier ministre qui a le droit de ne pas nous aimer, d'avoir des désaccords avec nous, je parle de Manuel Valls, ait pu dire publiquement sans que personne le lui reproche. Il faut qu'il rende gorge et qu'il soit écarté du débat public. C'est-à-dire appeler en clair à remettre en cause le pluralisme de la presse, le pluralisme de l'information, etc. Il aurait dit ça à un journal de droite, d'extrême droite, voire d'extrême droite. Moi, j'aurais pris ma plume, j'aurais dit, voilà, on les combat loyalement, on combat leurs idées si on veut, mais on n'interdit pas, on n'appelle pas à écarter du débat public un journal qui vous déplaît. Eh bien, ça a pu passer de quelqu'un qui était Premier ministre socialiste il y a peu. Et je dis ça sur nous-mêmes, notre faible vigilance sur ces questions-là. Notre faible vigilance, encore une fois. Et là, on va se retrouver, c'est le même piège qui nous est tendu, on en a discuté à Mediapart aujourd'hui, Sarkozy, il ne peut pas attaquer les juges. Vraiment, les juges et l'enquête, ils ont beaucoup d'éléments auxquels il va devoir être confronté. Aujourd'hui, son débat n'est pas avec Mediapart, son débat est avec la justice. Et c'est devant la justice qu'il va devoir s'expliquer, etc. Après avoir fait toutes les manœuvres pour que ça n'arrive pas. Bon. Et que fait-il dans le débat public? Il s'en prend à Mediapart. Que font les confrères et les médias? Ils appellent Mediapart pour que Mediapart réponde à Sarkozy. Donc, je ne suis pas... C'est à eux de dire, mais attendez, les informations sont sur Mediapart, les réponses sont sur Mediapart, l'enquête est sur Mediapart. Et voyez le piège qui est tendu, c'est du face-à-face, le face-à-face. Et là, j'en reviens sur les batailles, quand je disais il faut toujours se battre, on est au cœur. Vous savez, je rêve un jour de festival de cinéma autour de cet imaginaire démocratique du journaliste. Vous avez vu Pentagon Papers? Bon, Ben Bradley, c'est pas un commode. Hein. Bon, un patron de presse comme ça, etc. Et il est héroïsé comme un héros de la démocratie. Et il est pourtant propriété d'une propriétaire privée. Mais tout de suite, il lui dit quoi au petit déjeuner à Catherine Graham? Elle lui fait des remarques sur la page mode. Je trouve que, ils sont un peu pas bien sur la page people et tout. Et il lui dit, Catherine, ne mettez pas votre nez dans mes affaires.
Il met le mur, alors qu'il est son employé, normalement. Et cet imaginaire démocratique qu'on trouve dans toute cette industrie du cinéma hollywoodien, il y a un film formidable de Samuel Fuller, qui est trop peu connu, Parkrow, 52, en plein macartisme, qui idéalise l'histoire de Pulitzer, le New York Post, et comment Pulitzer a défendu et a fait, il faisait du financement participatif avant l'heure, c'est les deux jambes dont je parlais tout à l'heure, il faisait des enquêtes, il faisait des révélations, et en même temps il faisait un journal dans la ville, dans la cité, les bourgeois new-yorkais laissaient la Statue de la Liberté en morceaux dans des caisses sur les docks de New York, et il a dit c'est pas possible, le peuple de la Révolution française nous offre cette statue, elle doit être debout, l'île était déjà choisie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un appel par son journal, et c'est la souscription de Pulitzer qui a permis que la Statue de la Liberté soit debout dans le port de New York. Et tout ce film, il est bâti sur une idéalisation démocratique et qui rejoint exactement ce que disait André sur l'élitisme. C'est le journaliste, pas comme une élite et un sachant, comme du côté du peuple, du crieur de journal, et du côté de cette idée que le n'importe qui de la démocratie peut être un héros de la démocratie, que des individus, et pas des leaders de parti, pas des chefs, pas etc., puissent être héros de la démocratie. Et là, il y a dans la relation d'un journal avec son public, il y a cet idéal démocratique. Dans notre pays, nous prenons beaucoup, trop peu au sérieux cette question de l'idéal démocratique d'un pays, et c'est bien pour ça qu'on a de manière récurrente quelques soucis. Merci pour votre contenu. Je signale quelques autres événements à venir à la Maison de l'Amérique latine. D'abord, une rencontre avec Lamia Wallem, qui je crois est... Elle a été correspondante au Brésil de Mediapart. Voilà. Pour la parution de son ouvrage Jésus t'aime, la déferlance évangélique, ce sera le 27 mars. Et puis, on parlait de mai 68, vous avez rendez-vous le 3 mai avec Ludivine Bantini, Alain Schnapp et Benjamin Stora pour évoquer la parution de leurs trois ouvrages. On sera en pleine commémoration, même si ça a déjà commencé. Et puis, je voudrais adresser mes remerciements encore une fois à François Vitrani, à Maurice Vendor et à tous les participants ce soir, et vous indiquer que vous pouvez trouver les deux livres dont il était question, peut-être même d'autres, les éditions de Bookshop notamment, grâce à la librairie de Chan qu'on remercie beaucoup. Merci à tous et très bonne soirée.